Chez mes parents. Parfois, je rentre passer le week-end chez mes parents. C'est assez rare car ils habitent à environ 4 heures de chez moi. Ils habitent une toute petite ville dans le sud de la France. C'est ma ville natale. J'en connais tous les recoins. Tout le monde connaît tout le monde. Quand j'étais jeune, on ne pouvait rien faire sans que nos parents ne soient au courant. Il n'y avait pas grand-chose à faire. On passait nos journées à traîner dans les parcs ou à faire du vélo. Parfois, on allait au supermarché acheter des bonbons ou des gâteaux. Il y avait bien un vieux cinéma, mais il ne passait que des mauvais films. Tous les magasins fermaient à 19 h, y compris les bars. Il ne restait plus que les restaurants et une petite épicerie de nuit. Maintenant, tout cela a bien changé. Les parcs sont mieux entretenus. Il y a même des jeux pour les enfants. De nombreux restaurants et de nouveaux bars ont ouvert. Le vieux cinéma a fermé. Il a été remplacé par une piscine. De grandes boutiques ont ouvert en centre-ville. Et notamment un Monoprix qui ferme à 21 h. Cela me semble incroyable. Mes parents s'en fichent un peu. Ils préféraient la ville quand il y avait moins de monde. Ils ont prévu de déménager bientôt. Maintenant qu'ils sont en retraite tous les deux, ils veulent acheter un camion et visiter l'Europe. Je trouve que c'est un bon projet, mais je reviendrai tout de même parfois dans ma ville natale. Chez mes parents. Parfois, je rentre passer le week-end chez mes parents. C'est assez rare car ils habitent à environ 4 heures de chez moi. Ils habitent une toute petite ville dans le sud de la France. C'est ma ville natale, j'en connais tous les recoins. Tout le monde connaît tout le monde. Quand j'étais jeune, on ne pouvait rien faire sans que nos parents ne soient au courant. Il n'y avait pas grand-chose à faire. On passait nos journées à traîner dans les parcs ou à faire du vélo. Parfois, on allait au supermarché acheter des bonbons ou des gâteaux. Il y avait bien un vieux cinéma, mais il ne passait que des mauvais films. Tous les magasins fermaient à 19 h, y compris les bars. Il ne restait plus que les restaurants et une petite épicerie de nuit. Maintenant, tout cela a bien changé. Les parcs sont mieux entretenus, il y a même des jeux pour les enfants. De nombreux restaurants et de nouveaux bars ont ouvert. Le vieux cinéma a fermé, il a été remplacé par une piscine. De grandes boutiques ont ouvert en centre-ville, et notamment un Monoprix qui ferme à 21 h. Cela me semble incroyable. Mes parents s'en fichent un peu. Ils préféraient la ville quand il y avait moins de monde. Ils ont prévu de déménager bientôt. Maintenant qu'ils sont en retraite tous les deux, ils veulent acheter un camion et visiter l'Europe. Je trouve que c'est un bon projet, mais je reviendrai tout de même parfois dans ma ville natale.